La chronique actu, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo. En partenariat avec Regus, des espaces de travail adaptés à chacun. Le taux d'endettement est à 35%, pas plus. C'est l'une des mesures importantes que le Haut Conseil de stabilité financière décide d'imposer aux banques depuis le 15 septembre dernier. Cette décision est actée. Avant, le taux d'endettement était encadré, mais d'un groupe bancaire à un autre, des changements étaient possibles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, la durée maximale de crédit est de 25 ans et ne peut pas dépasser 35% de taux d'endettement. Sinon, la banque est sanctionnée. Si vous souhaitez investir et donc faire un prêt à l'achat, c'est le moment car les taux sont bas. Le contre-coup de ces nouvelles mesures se répercute sur les emprunteurs. Auparavant, les banques pouvaient aussi fixer, comme elles le décidaient, le taux des dérogations. Aujourd'hui, ce taux est fixé à 20% et pas plus. Ces nouvelles réglementations ont pour objectif de permettre une plus grande accessibilité aux emprunts, soit à l'achat d'un bien. Cependant, les primo-accédants qui se voyaient offrir des faveurs de taux de dérogation ne pourront plus en bénéficier. La chronique actu, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo. En partenariat avec Regus, des espaces de travail adaptés à chacun.